Hey yo les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Donc on est reparti pour un nouvel épisode de Timberborn en mode hardcore. Donc on est pratiquement 600 castors pour le moment, voilà. On est sur un problème grandissant, c'est par rapport à l'eau. On est bon, on a réussi à réparer ça. Mais par rapport à la nourriture, eh ben, c'est la merde. Voilà, donc on va essayer de voir comment on pourrait faire. Est-ce qu'on va mourir de famine? J'espère pas, parce qu'on a, voilà, qu'on a quand même un cycle hein, de 83 heures. Cycle et 9 jours. Donc en attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est pas encore fait, à partager la vidéo, à vous abonner sur YouTube, à regarder les liens et à suivre sur les autres réseaux sociaux comme sur Twitch, exemple, on est en live. Voilà, voilà, voilà. Allez, on va couper Turbilol derrière nous et on va continuer. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon. Non, c'est pas ça que je veux. Ça, le temps que ça cherche. Attendez. Ah, c'est bon. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, ici, on avait demandé ici la TNT. Il faut que si c'est terminé, impeccable. On a eu 20 à 30 jours, hein, je pense, de sécheresse. Il est marqué ici au-dessus. Attention, bon. Par chance, on est bien par rapport à l'eau. Et par rapport à la nourriture. Alors, j'ai une idée, peut-être. D'ailleurs, ça, je pourrais... On pourrait faire ça. Ouais, parce qu'on s'en tape un petit peu. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait rouvrir ici comme avant. Comme le blé aussi. Mais j'ai pensé pourquoi pas faire une... Je voudrais pas en faire ça. Hein. C'est ça le truc. Hein, c'est que... De faire ici un quartier d'habitation. Ici même. Le plus près possible en fait des fermes, parce que ici en fait ça va être une zone de ferme tout le long. Après ici ouais, il va falloir... On va fermer ça en vrai. Je sais pas comment on pourrait faire les amis. Si ici je pète tout ça, je pète toy. Là je mets la TNT pour ouvrir l'accès ici. Et pouvoir bah, faire des habitations par ici, quoi. Ça m'ennuie, franchement. Mais je crois qu'on n'aura pas vraiment le choix. Voilà, on va mettre... Voilà, on met sur play. On accède. Parce qu'en fait, ils habitent trop loin. Ça, c'est un problème. Donc, ok, on a mis quand même beaucoup de postes de transport, mais ça ne suffit pas. Exemple, ce glandu, là. Regardez, là, ce... Jaleil ou je sais pas quoi. Il va chercher quoi? Ah, il ne prenait pas... J'ai rien dit. C'est un bon glandu. parce que, ouais, ils prennent pas forcément les patates. Et ici on a 24. Je sais pas. Est-ce que. Je sais pas. Voilà. Donc, après, voilà, ils habitent forcément loin. Hein. On va prendre ceux-ci. Et ceux-ci sont tous les trois là, ça c'est bien. On va prendre lui, il habite où hein. Il habite où, mon petit hein. Il habite ici. Vous voyez, il doit faire tout ce trajet. Ta, 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 pour aller ici alors qu'ici il y a des maisons, quoi. Donc c'est vraiment la merdasse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des priorités, les amis. On va. Mettre ici de la TNT. On va ouvrir la zone ici, on n'a pas le choix. Ça va bien? Des sauvegardes ou quoi? Voilà. On va ouvrir tout ça. On n'a pas le choix, les amis. Hein. On n'a pas le choix. Hop. Est-ce que ça va être une nouvelle zone, en fait, hein, d'habitation? Voilà, TNT. Donc forcément, tout ça, ça sera pétable hein, par la suite. Ici aussi, bon, on va déjà la faire. Hein. De toute façon, toutes ces zones ici vont être pétables. Ici, on peut le faire aussi. Voilà. Mettre une priorité dessus. Un peu plus haute quand même. Ah, moi, j'en ai fini ici en trop. C'est pour ça que je pouvais pas faire en fait au début. Ok. Hop. Ça n'a pas fait parce que c'est un autre étage. Voilà, ici on en oublie un, on va le poser directement. Hop. Donc pour le moment ils n'ont pas accès, hein, je sais très bien. Hop. Et ici, bon on va laisser faire ici pour le moment. C'est pas le plus urgent. Ah mais si, on n'a pas fait non plus. Le plus urgent c'est vraiment trouver une solution en fait pour les patates, parce qu'en termes de patates crues, bah, on diminue grandement. On a 265, on a descendu à 100. Il faut vraiment faire attention à ça.
Donc ouais, ça m'emmerde vraiment de faire ça ici en fait. Nouveau quartier. Alors, ce que je disais, c'est que ouais, comme vous savez, je me suis inscrit en salle de sport et j'ai été hier. Ouais, j'ai fait pas mal de calories quand même. Hein. En tout cas, sur le tapis de course, j'ai fait environ 300 calories. Juste ça, puis j'ai fait le reste. Mais ouais, je suis un peu cassé. Et puis ce matin, bah, j'ai dû courir vraiment. Parce que j'ai dû aller au dentiste, etc. Donc ouais, j'ai dû courir et... Mais vraiment courir en fait, hein. Voilà. Parce que ouais, la voiture n'est pas garée devant chez moi. Donc je dois faire environ... Pratiquement 2 km environ. Elle n'est pas dans une zone sûre. Donc ouais. Et ouais, je l'ai senti. C'est pour ça que voilà, j'ai fait 10 squats ici aujourd'hui. Je crois qu'on va s'arrêter là, en tout cas pour les 10 squats. J'essaierai d'en faire 10 demain et demain je retourne au sport. Mais à 8h du matin. Voilà. Ça va un peu piquer un petit peu. En tout cas, c'est bien ce qu'il ramasse. Il ramasse là. On a mis beaucoup de femmes de trop en fait aussi. Hein. On a mis de trop. Hein. Alors ici, c'est déjà pratiquement fait. Impeccable. Hop, on va retourner la caméra. Hop. Ah. Bon, on va le laisser faire, c'est pas si grave. Et on mettra un escalier ici pour descendre. Ah mince, j'avais pas vu ça. Ok, ils vont... Ah, ils ont un accès de l'autre côté. Bon, ça veut dire que s'ils ont un accès de l'autre côté, on peut voir pour mettre un bas. Déjà, entre guillemets, un nouveau quartier. Hein. Alors, je pourrais le mettre ici. Hein. Attends. Je le mets là ou pas? Ouais, on va le mettre ici. Alors, on va en faire 4. Et vous allez voir hein, qu'ils vont travailler bah, loin. Ils vont y habiter, hein, mais ils vont travailler loin. Ils travaillent tout près, bah, voilà. Ils sont un peu bêtes, quoi. Et ils n'aiment pas les routes. Hein. Le jeu, à un moment donné, quand il y a trop de castors, c'est pas le jeu qui peine, c'est vraiment le jeu en lui-même. Hein. C'est capricieux. Alors ici, on va attendre un petit peu. Contre ici, ça va se terminer aussi. Les maisons, ok. Alors, regardons un peu les patates. Ça augmente, mais voilà, il faudrait qu'on soit au minimum à 1000 en fait. Hein. Le blé, ouais, on n'est pas au top. Hein. Ici, les patates, ok. Si on est à 30, bon, j'espère que ça va suffire en termes de transporteur parce que merde. Hein. Merdouille, quoi. Aussi, ça aurait été bien aussi de péter cette montagne ici, hein, ce truc-là immonde. Alors qu'on fasse bah voilà, un accès. Ouais, j'espère que vous allez bien, les amis. Moi, donc, ouais, j'ai été au dentiste et ouais, c'est pas très chouette. Hein. C'est un nouveau en plus qui était là. C'est pas le même comme d'habitude. Et ouais, j'ai bien fait saigner hein, ce bougre. Juste un escalier, ça suffit. Voilà, un peu TNT. Ça va dégager hein, tout ça. Et donc oui, hein, je tiens à préciser que du vendredi à samedi, j'en ai posé. Mince. Bon, c'est pas grave. Vendredi à samedi, je serai pas... Samedi, non, je serai pas non plus en live normalement. Je vous confirme ça. Je sais pas si ça je les enlève ou pas. Pour le moment. Vous savez quoi, on va les mettre comme ça, ça sera déjà fait pour... Ils auront déjà l'ordre en fait. Et là, je crois que ce sera le bon niveau. Bon, par contre, ouais, dépêchez-vous à terminer. Les habitations sont là, les patates, bon. Les habitations ici sont en cours aussi. Ici, qu'est-ce qu'il faut ici? Il manque encore 5 blocs de métal. Hein. Je sais pas pourquoi ils viennent pas les apporter. Il y en a tout ce qu'il faut. Et en fait, ils sont vraiment ici dans ce truc immense en fait à TNT. Et donc, ouais, ça prend du temps en fait hein, pour qu'ils posent tout. Du coup, ouais, ils sont full ici en fait. Mais ici, est-ce qu'on n'a pas demandé une priorité là? Ouais. Hein. Attendez. Ah oui. Hein. Faut juste qu'ils la fassent et c'est bon. Hein.
Donc ici, il va falloir qu'on pète tout ça, puis encore un étage, et puis on sera bon, enfin. Ça fait quand même beaucoup d'épisodes qu'on est sur ce immense chantier de terraforming. On va avoir un peu plus de baies et du pain. Ouais, les patates, c'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué, vraiment. Ouais, on va, je vais devoir ouvrir ici. J'ai pas le choix. Voilà, c'est fait. Alors, on manque... Non, on a 30 castors en supplément. C'est pas énorme. Hein. Vraiment, c'est pas énorme du tout. Parce que voilà, il y en a tout ça qui sont... tout ce qui est rouge, comme je répète, ce sont des pompes qui sont hors d'usage, hein, qui sont sous l'eau. Ouais, donc on va vraiment manquer de casseurs, d'où pourquoi j'ai fait ici les habitations qui sont ici et là-bas aussi. Hein. Là-bas qui sont aussi de nouveaux quartiers, hein, expérimental. Donc ouais, là on est bien à 600, on est même à 603 castors. Je répète, quand on joue en mode hardcore, il reste 20 jours, 1. Voilà. Ici c'est fait, ici c'est fait. Ils sont en train de mettre la TNT ici au-dessus. Voilà, TNT. Et ça, vous savez quoi, on va aussi le... On va aussi le péter, ça. Bon, on va faire une route ici. Hein. Voilà. Et le chemin. Voilà. En tout cas, ouais, avec le nombre de qu'on a mis ici... ah voilà, vous avez vu, ils ont pris les patates, impeccable. Le nombre de fermiers qu'on a ici, c'est affolant. Hein. Bon, ça se vide. Je sais pas si c'était un bug ou pas. Mais ouais, il manque le blé en fait. Hein. Le blé diminue trop rapidement. Alors ici, ça on peut faire péter. Et TNT. Voilà, donc il va falloir attendre tout ça qui pose tout ça pour qu'il pose au-dessus, etc. Bon, ça va prendre un peu de temps, mais. Mais voilà, bon. Allez là. Ici, c'est terminé, donc on va pouvoir le faire péter aussi. Attention, hein, le PC là, faisait pas le PC. Ah merde, j'en ai oublié un. Ah ça vient, il va le poser. Pose-le. Merde, il l'a pas fait. Il l'a accès, c'est bon. Waouh, moi je lag pas les amis, hein. Je lag pas du tout, hein. C'est vraiment le jeu. Hein. Par chance, il a manqué un et là, mince. Oh mince. Bon, c'est pas grave, on le fera après. Alors, on va enlever la route. Enfin, les routes, hein, tout doucement. Hop. Et ici, une partie, hein, toujours. On n'a pas le choix. TNT. Voilà. Et on pourrait déjà mettre, en fait, la suite. Hop. Ça, c'est vraiment la dernière zone, hein, à faire péter. Parce que normalement, on a trouvé la solution de l'eau, mais... J'ai oublié ici un portail. Il l'a fini là-bas aussi, on va le faire péter. Voilà. C'est vraiment immense, hein, ce projet, hein, à faire. Je pense que ça fait déjà 2 ans qu'on est sur le jeu. Hein. Mince. Ça, c'est demandé. Alors, voyons voir un petit peu ici comment ça se passe. Bon, ça avance, mais là... Alors, qu'est-ce qu'ils font, nos glandus, hein? Voilà, les patates remontent un petit peu. On a 350 patates environ. C'est pas le top encore. On va voir un peu s'ils vont ramasser toutes les patates ici.
Ils sont occupés ici à mettre la TNT aussi. Ici, on a dû réouvrir aussi ici la ferme. Ici, on a quoi? C'est des carottes hein, qu'on a plus. Et un peu de patates. Alors, pourquoi ils s'occupent plus ici, alors que, par rapport aux fermes, alors que ici ils devraient plus venir par ici? On verra. Franchement, j'en sais rien, mais c'est un peu chiant. Surtout qu'il y a beaucoup de transporteurs. Après, oui, ils habitent loin. D'où le problème, en fait, hein, s'ils habitaient par ici. C'était plus simple. Hein, on a mis ici un escalier. Ici, c'est pour descendre. Donc, honnêtement, on ne peut pas dire que c'est loin, mais bon. On va voir un petit peu si Vidax. Vidax, les patates. Il y en a quand même un peu beaucoup. Mais du moment que c'est pas à 50, parce que c'est un stockage de 50, ça me va. Voilà, je vais dire ça comme ça. J'espère que vous allez bien, les amis. N'hésitez pas à mettre un petit follow si ce n'est pas encore fait. Parce que ça fait plaisir, hein, faut pas l'oublier, c'est gratuit. Et on fera encore du Timberborn, on fait d'autres jeux aussi pour le moment. Voilà, je suis concentré fortement sur Timberborn. Parce qu'ils vont bientôt sortir une mise à jour et je voudrais la terminer. Avant que la mise à jour soit sortie. Ah, ici c'est terminé. J'ai enfin terminé l'autre, tiens, c'est bien. Alors, on va aussi enlever ça. Ce chemin, il est enlevé, TNT. Voilà. On va demander, bah, d'autres stockages d'eau. Hein. On va les mettre tous ici. Voilà, 3. Et on va déjà construire ici les autres. Gros, gros stockage ici. Hein, parce que voilà, mon but, c'est moi, c'est d'avoir au moins 50 000 d'eau. Et 50 000 de nourriture préparée, quoi. Donc pour le moment, bah, c'est pas le cas. Alors. En tout cas, je suis content qu'on ait terminé ça. Donc pour la prochaine fois, bah, on va pouvoir être bien. Et voir ici si c'est bon. Alors, on va regarder un petit peu. Ah, ici, ça, on peut faire péter, voilà. On va devoir mettre un escalier. Et une route. Voir qui pète la suite. Je sais pas pourquoi ils viennent pas ici le poser. Ok, j'ai compris. Il va falloir que j'enlève ici. Et je vais mettre... voilà. Maintenant, ils ont accès. Bah oui. Bah oui, logique. Logique. Je n'ai pas ce son-là, tiens. Non, on sait la voir, mais non. Oh, c'est pas si grave. Alors, bah voilà, il nous manque bah 8 ouvriers. Hein, parce qu'ici, on prend Pax, un peu plus. On va libérer un peu d'eau. On libère. On va remonter hein, le niveau d'eau. Ici, ils vont poser la TNT. Hein. Ben voilà, ils sont occupés à poser toute la TNT. On va voir ici comment ça se passe. Alors, on va essayer de rester tranquille pour le moment. Et de voir un peu comment ça se passe ici avec les patates, etc. Mais ouais, non, par rapport au sport, bah écoutez, ça se passe. C'est un peu dur, mais ça se passe. Pour le moment, ici, la première semaine, c'est un peu la semaine de test. Même si, voilà, j'ai mal un peu au pec gauche. Donc, il faudra que, voilà, que je fasse plus attention. Voilà, il faut que je me réhabitue aussi. Donc, ici, mercredi à 8h du matin.
Je vais devoir faire, comment dire, les jambes. C'est pour ça que je me retiens aussi à faire les squats. Et j'en fais, y a pas de souci. Il y en a 10 d'ailleurs qui sont faits. Mais voilà, j'essaie de ralentir un petit peu là-dessus. Et puis de tester un peu comment ça se passe. Voilà, comme j'ai expliqué aujourd'hui, j'ai couru, j'ai marché vite. Je me suis dépêché et puis voilà, toute la journée j'étais debout aussi. On a beaucoup de naissances aussi. Et voilà, ça, ce qui a demandé beaucoup d'efforts en plus, quoi. Et ouais, j'ai vraiment bien couru. Hein. J'ai couru au moins un bon 30 minutes, 40 minutes quand même. C'est 30 minutes. J'ai fait ça en deux fois. Première fois 100 calories et la deuxième, j'ai fait 200 calories. Donc voilà, juste pour sur la petite course. Moi, j'en ai fait d'autres. Hein. J'ai fait d'autres machines, etc. Donc ça ne le montre pas. On va voir un petit peu par rapport à l'eau, comment ça se passe. Voilà, on est vraiment bien. 18,8 jours. Voyons voir un petit peu ici. Ça pose. Ils ne vont pas pouvoir tout poser. Parce que voilà, il faut qu'ils libérissent l'accès. Donc j'attends aussi là-dessus. Et puis voilà, si ça se remplit, on va pouvoir péter tous ces trucs-là en fait, hein, tout partout. Mais pour le moment, je le ferai pas. C'est vrai que j'aurais pu le faire juste avant. Et l'ont terminé ici. Alors les patates, 380. Ouais. On est proche, voilà, on est passé les 400, ok, bon voilà, après il faut pas oublier qu'on a ici aussi, hein. On va prendre un peu plus d'eau. C'est ça aussi qui va pas. On va donner aussi la priorité ici pour que ça soit l'eau. Hein. Et de l'eau. Voilà, donc ça c'est une chose qui est bien, parce qu'avant on pouvait pas faire ça. J'espère que la prochaine mise à jour sera bien. Ils ne vont pas rajouter tout ce qui est robot, etc. Parce que ça, je m'en tape complètement. Alors, je sais pas ce que font les constructeurs. Bon, là, ils vont aller plus... Ah, ok. C'est fait ici. Alors, voyons voir un petit peu où il habite. Où il travaille, pardon. Vous voyez un petit peu où il habite? Où il travaille? Comparé où il doit travailler. Hein. Et c'est loin. Hein. Et là, le problème. Hein. Et s'ils ont fait la maison là-bas, ils ont dû faire les maisons ici aussi. Exactement. Alors, lui, il travaille à Pampaouz. Ça, c'est bien. Il travaille à un bon poste. Il travaille là, impeccable. Il y a tout nouveau, lui. Mais bon. Voilà, et là le problème en fait, hein, c'est que ils habitent loin et... Alors que j'aurais voulu qu'ils travaillent ici en fait. Hein. Ok, ça pose la TNT ici. On va demander aussi tant que ça se fasse l'autre TNT. Hein. Ah, ce chemin là, j'aurais dû l'enlever. Ici, encore un truc ici. Hein. Toute cette zone. Par contre, c'est chiant ça. Tu peux pas partir, toi. De ce truc là, le message là. Voilà. Il faut aussi qu'on fasse partir aussi. On va faire partir ça en premier. Le chemin. Voilà, TNT. Voilà. Bon, on avance bien. Là-dessus, on avance très très bien. On peut pas faire mieux, je pense. Hein. Voilà, on redescend hein, en dessous des 300 de patates crues. Hein. Et ils vont, à mon avis, commencer à poster la TNT ici, de ce que je comprends.
Ouais. Mais ça, on va pas encore vraiment le faire dans le sens que voilà, ils vont faire les petits chemins. Ils vont faire les autres trucs à côté. Hein. Alors, il manque combien d'ouvriers? Il en manque. Il en manque 10. Bon, on va faire ici. J'en fais peut-être un peu. Un peu trop, mais je sais pas, on verra. Je sais pas si je. Qu'est-ce que je fais? Je les mets ou pas? Autant. Ouais, on va les mettre. Voilà. On manque vraiment d'ouvriers en fait. Hein, donc. Alors, on va voir un petit peu. 12 sur 50, 35 sur 50. 24 sur 50, 26 sur 50, 7 sur 50 et 4 sur 50. Bon, là, ça remplit, c'est bien. Ça ramasse, on va dire, plutôt. Mais bon, la réponse est un peu plus quand même. Le nombre de TNT. Voilà. Ça, on va enlever. Qu'est-ce qui se passe ? Hop. Voilà. Ils sont full ici pour le moment. Hein. Ils posent aussi la TNT, c'est bien. Là, on peut le faire péter aussi. Hop. Et pour ceux qui jouent, n'hésitez pas à me dire un petit peu quelle est votre longue partie pour ce jeu. En commentaire, hein, pour ceux qui regardent sur YouTube ou ceux qui sont sur le live. Voilà. Ils ont fait ici l'escalier oui. Bon. Ouais. Compliqué, les amis. Hein. Vraiment. Alors, je sais pas ce qui. Soit il les pose et les construit pas, j'en sais rien. On les voit venir. Ça marche, Alex. Aïe, aïe, j'espère que tu vas bien d'ailleurs. C'est vrai que pour le blé, ils ne prennent pas le blé. Pourquoi? Je ne sais pas. Hein. Pourquoi ils ont l'accès? Tranquille. Impeccable. T'as faire quoi ce soir d'ailleurs, Alex? T'es gang les capuches ce soir, non? Il me semble. Je crois que je l'ai vu passer sur. Sur X, comme on dit maintenant. Oui, impeccable. Ah, je suis un petit peu hein, quand même. Hein. Ah là là. Ah, voilà, c'est terminé ici. Hop. Alors, on va enlever ici le chemin. Bon, on va prendre ça directement. Voilà, on va déjà faire la demande ici pour le reste. Mais pour le 24, je sais pas si je serai là. Hein. Faudrait que je regarde, mais en tout cas, ce sera avec Tayo. Voilà. Ici, c'est fait. On peut aussi. Et je crois que c'est à la bonne hauteur ici. Hein. Voilà. Bah, je garde, oui. Et ici, les chemins, ils l'ont terminé, impeccable. Donc, ça, on va pouvoir faire péter. Les chemins. Ça se termine aussi. Bah, ça m'intéresse pas qu'ils posent ici pour le moment. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est que voilà, les chemins soient partis. Bon, maintenant, voilà, on est sur une. Aujourd'hui, je pense que ça va être un petit peu décisif dans le sens que est-ce qu'on va réussir ou pas hein. Est-ce qu'on va réussir ou pas vu qui est compliqué par rapport à la nourriture. De pourquoi hein, j'essaye de voilà de faire un nouveau quartier pour qu'ils viennent travailler par ici quoi. C'est compliqué.
Et t'as combien de points, Alex, d'ailleurs, en ce moment? La pose ici. T'as déjà posé là. Bon, il y a beaucoup de taf hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Hello, ouais, il faudra qu'on contrôle parce qu'il reste encore 14 virgules. On va devoir ouvrir un petit peu. 14,6 jours d'eau. On voit pas là déjà. On est déjà aussi. Ok, on est déjà si bas. Ici, ils ont été pompax. Donc l'eau va faire que voilà, ils vont pouvoir repompax de nouveau. La nourriture, ouais, on est pratiquement en dessous de 200. Après, voilà, heureusement qu'on a les fermes ici. Mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu du mal. On va devoir ouvrir ici. Bon, il nous manque vraiment des castors là. En fait, je pense que pour être bien, faudrait au moins être à 700 castors maximum. Adulte. C'est vraiment embêtant en tout cas hein, par rapport à cette nouvelle habitation ici. Mais ouais, si je viens par là, bah ouais. Oh là là. Ici, il faudrait que je voie aussi quand je pourrais faire. Il faudrait bien peut-être voir pour déplacer en fait les zones de bois. On va mettre ici, bon, on va commencer. Hein. Voilà, un escalier. On va demander de déraciner. Hein. On va déraciner tout ça, ça va repousser. Voilà. On va perdre tout ce bois-là, hein, c'est dommage. Hein. Mais on n'a pas vraiment le choix. Voilà, et on va faire aussi la demande par ici. Tu refermes. Donc, qui dit TNT, les amis. Alors, est-ce qu'on aura le temps de tout faire, tout ça? Je ne sais pas, mais la demande est faite. Ah, ici, c'est fait aussi. Alors, chemin. Hop, on va enlever la route. TNT. Voilà. Ici, ils ont presque terminé. Hein. Bon. Alors, je sais pas ce qu'ils font maintenant les travailleurs. Les constructeurs, je ne sais pas. Ah, bah tiens, on n'a pas fait ci. On va enlever tout ça. Et ici. Voilà. Hop. Comme ça, on avance. Peut-être qu'aujourd'hui, hein, en tout cas, voilà, encore, on va maximum une heure ensemble. Est-ce qu'on va réussir à faire péter tout ça? En tout cas, je pense que oui. Hein. Et le blé, ouais, on va devoir augmenter la production de blé. Bon, ici, il y a une production de blé, quoi. Mais le problème, c'est qu'on va utiliser plus d'eau. Ici, c'est terminé. Voilà. Ici, je rappelle qu'il y avait une immense montagne, hein, ici aussi, d'ailleurs. Hein.
Bon. D'accord, 12,7 jours. Lourd. On passe toujours ici. On a l'équilibre par rapport à ici. Mais ouais, on va devoir voilà, tout basculer. Ouais, ça plus par ici en fait. Hein. Donc le bois, je pense que je vais. On va le mettre loin, tant pis. Hein. Le bois, on va le mettre peut-être par ici. À voir comment on pourrait faire, mais ouais. Donc ouais, on a beaucoup de choses à changer, hein, à bouger, c'est tout ici. On a une bonne zone ici de ferme, hein, ça qui est bien aussi. Et ça continue ici à poser la TNT. Ici, il n'y a encore rien. Pas un petit peu à dire comment votre jeûne s'est passé, les amis. Alors, les patates. On est quand même à 40 ou 50 ici. Heureusement qu'on a mis ici quoi, mais il habite là, ça va. Ah là là. Il faudrait que ça sèche un petit peu aussi. Je crois que si on enlève l'eau... Ouais. On enlève la barre, ça revient. Mais oui, ici, on a un travail... Bon, après, voilà, c'est pas des grosses montagnes non plus, mais... Je pense qu'ici... Bon, vous savez quoi, un nouveau chantier. Chantier, les amis, on va mettre ici un nouveau un truc d'eau quoi. Donc ici tac, attendez, ça vient ici. Oh, wow. Attendez, donc là ça fait ici tac tac, donc je dois continuer ici normalement. Sauf que là, ça commence à faire un peu grand quand même. Là, ça fait trop grand là quand même. On va vraiment essayer de gagner vraiment de l'eau au maximum. Est-ce que c'est assez grand ça quand même? Attendez. On peut encore plus se réduire en fait. Hein. On peut réduire quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Ça peut être bien. Forcément, hein, ici, ça doit aussi fermer. On pourrait faire ça. Hop. Voilà. Et là, on va gagner beaucoup d'eau. Hein. Là, le problème de l'eau sera totalement terminé, je pense. Et puis, on a une bonne zone déjà plate ici pour faire... ici, les fermes, en fait. Hein. Ici même,
directement aussi près. Ça peut être bien. Alors, on va laisser pour le moment ces chemins qui sont tout simplement pour détruire plus la TNT ici. Alors, la route. On va profiter d'ici. Hein. Voilà. Je vais regarder s'ils ont accès à tout. Et ici aussi, tiens. Les câbles. Alors ici, ils ont accès. Accès. Accès, c'est bien. Ouais, bah c'est bon. Hein. Voilà. Et donc, on va gagner vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace. Et ça, c'est bien. Alors, encore 10,2 jours. On manque 34 ouvriers, les amis. 34 ouvriers qu'on manque. Bon, on va faire là-bas plus de maisons là-bas. Alors. Mince. Ce qui va un petit peu aider, hein. C'est pas non plus le top, mais ici c'est terminé. On va enlever cette échelle. Escalier, pardon. Et on va remettre une route. Voilà. Il va jusque là. Voilà. Alors. Est-ce que là-bas, ils ont déjà commencé ou pas? Pas encore. Bon, on est proche des 500 patates, mais c'est pas encore ça. D'ailleurs, ils prennent un peu de blé ici. Hein. Le blé qui continue à descendre, hein, alors que voilà, on a un peu de blé ici, mais ils arrivent pas à aller jusque-là. Ils vont pas. Après, voilà, ils manquent 42 ouvriers. Les travailleurs, ils ont un peu de mal. Bon, après, voilà, il y en a assez quand même. Je sais pas ce qu'ils font. On va aller voir un petit peu. Ah, il y a personne ici. Forcément, on a mis une priorité plus basse ici, hein, normal. Parce que voilà, il faut voir pour l'eau. Hein. C'est vraiment ça qu'on a mis d'abord en alerte. Hein. Et ici, il fait quoi? Il prend des planches. Des planches? Ok. Lui, il fait rien, mais je sais pas s'il va aller dormir ou pas. C'est des constructeurs. Il va, voilà. Il se repose. Il fait nuit aussi. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à installer gaming, les amis. Hein. Le lien vient de popper dans le chat. N'hésitez pas. Ouais, on manque vraiment d'adultes en fait. Hein. Ça tombe mal. Mais là, il faut quand même. C'est important. D'ailleurs, ils viennent d'où? De là, ça va. Toi, tu viens d'où? Hein? Ça va pas, t'es un peu loin. De là, ça va. Donc ça, c'est bien. J'aurais pu venir d'ici, hein. Et changer de poste, hein, mais non, bon. Alors, par rapport à l'eau, il reste 8,5 jours. Lololo. Ouais, on n'est pas... ouais, il reste encore 20 000 d'eau, mais... C'est pas le mieux, hein. On va faire péter ça. On va avancer aussi. Voilà.
plus accès là, mince. Il va falloir agrandir un petit peu la route. Voilà. Voilà, ici, on va mettre la digue. Hein. Voilà. On n'aura pas fini pour aujourd'hui. Je dis clairement, ce ne sera pas possible. Mais voilà, s'ils vont commencer à faire ça, ce serait bien. Alors ici, est-ce qu'ils ont commencé ici? Non, pas encore. Hein. Ouais, le travailleur, ça n'a pas trop donné la tête, parce qu'il manque vraiment beaucoup de personnes. Il y a 44 casseurs qui manquent. On a 76 hein, bébés, 75 bébés. Donc ouais, on manque vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de castors adultes. Ouais, par contre, ouais, je vois qu'il y a quand même une baisse d'FPS hein, quand même, hein, par moment. Même si on n'est plus à 60, on est à 50 FPS. C'est parce que je suis dans une zone un petit peu plus... je ne sais pas. Ah, ici, ouais, je suis à 50... ouais, je sais pas, on verra bien les amis. Hein. 54 ici, 55, 56. Ouais, c'est vraiment... Ouais, ouais. C'est vraiment la zone. Hein, donc, on espère que voilà, on va jouer au maximum dans le jeu. De ce qu'on peut, ce que le jeu peut nous offrir en termes de stabilité. Mais on verra quoi. Hein. Je vais mettre la TNT autour. Bon, on va voir. Bon, les patates, 460... Ouais, ouais, ouais. C'est pas le top, hein. C'est pas le top. Bon, allez, dépêchez-vous, là, construisez vos trucs, là. Il va aller dormir, lui, je pense, hein. Et Diatar aussi. C'est vrai que je pourrais, hein, pourquoi pas faire quelques petites photos de Basic Fit, mais... Enfin, salle de sport plutôt. Envie de citer une marque, pas payé par eux. Je vais citer CrossFit, hein, voilà, comme ça moi c'est fait. Et j'en connais pas d'autres d'ailleurs. Allez, ça avance bien. Ça avance bien ici. On va vraiment gagner beaucoup d'eau, hein. Vraiment. Donc déjà ici on gagne de l'eau, ici aussi, et ici. On va vraiment être bien. Le bois, bon, on va le faire ici, je pense. C'est une bonne zone. On va pouvoir ouvrir après cette zone ici. Hein, ça prend du temps pour la réaliser. Mais bon. Et je ne pense pas que le jeu va nous permettre de faire autant de choses. Pas pour le moment, en tout cas. Est-ce que le jeu a prévu autant de castors en fait? Parce que moi, si je pourrais, hein, j'aurais rempli toute la carte hein, de castors. Hein. Donc, ça à voir. Hein. On va rouvrir ici. Hein. Il faut du blé. Hein. Ça commence à descendre aussi. Allez. Allez les castors.
Attendez juste voir un truc. Et si c'est presque fait pour rapport à ici. On va laisser le mettre et puis on fera péter le tour. Ici, on va libérer hein, ici. Hein. Voilà. Il reste encore 5,9 jours. Bon, ça, en termes d'eau, ça va aller. Hein. Après, il faudra les re-remplir. Hein, et c'est ça le plus grand souci. Est-ce qu'on aura le temps ou pas? Une pompax, c'est un maximum. Hein. On attend d'agrandir hein, ici un petit peu trop, peut-être, la population. Après, voilà, hein, c'est la faute aussi d'avoir trop mis ça. Là, c'est... Ça demande quand même 10 ouvriers à chaque fois, quoi. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60. Donc ouais. Voilà. Et là, le truc. Hein. On fait péter ça. Voilà, je vais pouvoir agrandir ici. Hein. Terminer. La digue. Et ici, bientôt, je pourrais aussi. Et ici aussi. Une fois que ça sera terminé. Donc voyons voir. Il transporte rien. Il a faim, il a soif. On va le suivre un petit peu, voir un peu ce qu'il va faire. Demain, il y aura live demain aussi. J'ai essayé de faire sur le même jeu. Et tout se passe bien en termes de nourriture. Voilà, on a dépassé les 500, c'est bien. Voilà, il va aller dormir, tiens, je ne sais pas. Il va aller manger et boire, à mon avis. Ok, voilà, il a été mangé directement à la source, il va aller boire. Et puis, il va aller dormir, hein, je pense. Hein. Je pense que... Je sais pas où il va. Le chemin qu'il doit faire, quoi. J'arrêtais bien, voilà, de dispatcher, quoi, mais pas avoir du district. Le district, c'est tellement de la merde. Ah, il va au manège. Ok. Il repart par là. Quelle merde. Ah, il fait déjà jour, donc il a pas dormi. Ah. Et là, il dort. Et il dort. Allez. Là, il a... Voilà, il repart. Qu'est-ce qu'il va faire? Comme ça, on voit un petit peu parce que pour le moment, je ne vois pas grand-chose. Où est-ce qu'il va? Ah, ils vont mettre la... Non, pas la TNT déjà. Ah, il va le construire. Voilà. On s'en fait péter. Il ne reste plus qu'un. Oh là là, le travail les amis, ça va être top. La personne qui va regarder la map normale, bah, il va dire, bah, tiens, c'est quoi comme map hein. Ça a tellement été modifié. Voilà, on enlève. Voilà, et on va terminer. C'est ça que je veux. On va le terminer. Hop. Et voilà. Et ça, c'est bon. Ok. Alors vite la fin de la chasseresse, il reste 4,2 jours pour que l'eau remonte et puis que je puisse avoir des, plus de travailleurs quoi. Hein. Parce que là, ouais, 40 sur 44, ils n'ont pas le temps de tout faire, c'est affolant. C'est vraiment affolant. Alors qu'on en a quand même hein, des travailleurs, il n'y a pas de souci là-dessus des constructeurs. Il y en a quand même ici. Hein. Bon, même si ici, voilà, on les a mis avec moins de priorité, tout simplement parce qu'il faut quand même qu'il y ait d'autres qui travaillent. Et ça, par les éoliennes, ils ont bien fonctionné ici, c'est bien.
Viens voir un petit peu ici. Est-ce qu'ils l'ont ils ont bien avancé? Non, ils ont encore rien fait. Ça fait vraiment ça fait, ouais, c'est pas top quoi, hein, c'est les pauvres ouvriers quoi. Hein. Et les patates, hein, les patates, c'est compliqué de nouveau. Hein. Alors, le blé, je suis obligé de remettre quoi, c'est chiant. Oh là là. On va essayer de suivre un travailleur pour voir ce qu'il fait. Il prend des planches. Tu vas les déposer où les planches? Il est lent. Hein. Il va le faire ici? Les maisons? Non, c'est des rondins. Attends. Pas ça. Ah ok, ils sont en train de déjà de faire ici. Bon. Ok, donc là il faut les engrenages. Bon, ça vide les stocks, c'est bien. Donc de métal aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Bon, moi là-dessus ça avance. Et c'est bien aussi. Encore 3,1 jours. Enfin, le temps passe vite, hein. Ça fait déjà pratiquement une heure hein, qu'on est en gaming, on va dire. Hein. J'aimerais bien péter ça. Hein. On va encore attendre que voilà, ça se fasse ici, hein, pas pour le chemin. On n'a plus d'eau. On a plus d'eau. Ici, ça pompe pas les plus basses. Voilà. Donc on a nos pompes de secours hein, qui pompent pas. Le reste, c'est pas... voilà, on voit. Et ces pompes ici aussi de secours hein, sont là. Donc ça pompe pas aussi. Hein, c'est... après, c'est pas ça qui va vraiment nous sauver. Hein, mais... et puis de toute façon, ils vont plus pouvoir pompax. Une fois qu'on aura fermé ici, on va libérer ici de la place. Et ici, il y a toute la ferme ici qui n'est plus irriguée non plus. À part ici. À part ici, mais... je vais devoir... ouais, on va reprendre tout ça. Ça va être un peu... ça va être limite aussi, non? Ouais, ça va même être très limite. On reprend tout ça. Hein. Pas vraiment le... ah, il faut le faire aussi, non? Ça sera la fin. Il reste donc 2,2 jours. Parce que, tout simplement, parce que, voilà, il faut plusieurs jours en fait, hein, pour que ça repousse. Ouais, c'est ça qui est un peu compliqué. Et on va demander pour qu'il travaille un peu plus. On va demander 22h. Au lieu de 18. Ici, ça sera toujours intéressant, ici, justement. On va voir les fermes. Ben voilà, on a toujours un peu d'eau. Que ce soit irrigué, en fait. Voilà. On dit qu'ici, ben, ça ne le sera plus. Donc ouais, ça peut être bien. Ici, c'est vrai qu'on n'aura pas une zone irrigable, hein, ici. Hein. Hmm. Peut-être l'occasion bah, d'installer justement bah, tout ce qui est...
tout ce qui est on va voir pour la nouvelle le truc de terre, quoi, je sais pas, usine à terre. Il faut que je regarde un petit peu. Alors, allez vite l'eau, encore 1,5 jours. On va vite qu'on ferme ici, quoi. On gagnerait tellement en eau. J'ai tellement envie de faire péter ici. Oh là là. Ici c'est tout est vert. On est même fait l'activer, hein. Mais après l'eau, voilà, l'eau redescend. L'eau redescend. À 22 000 je crois, on est à 18 000. Hein. On peut pas que toujours hein, dans les pompes les plus basses. Et là aussi, hein, ça aurait été bien, voilà, les pompes qui sont plus utilisables, ben voilà, hein, ça se met automatiquement. À l'arrêt, hein, tout simplement. À l'arrêt, c'était bien plus simple. Si c'est toujours pas fait non plus. Les TNT, voilà, on a encore beaucoup, hein, tout ça dessus. Alors, ici, qu'est-ce qui manque? Bah, ici, il manque encore 6 engrenages. Après, je pense que voilà, il n'y a personne qui travaille, hein. Oui, concentré sur l'eau, etc. Ici, on pourrait mettre en pause. Comme ça va peut-être libérer un petit peu plus de place, hein, et pouvoir peut-être travailler sur les engrenages. Pas vraiment. Ok, voilà, ils sont en train de mettre la TNT ici. Mais ouais, l'eau, c'est compliqué là. Hein. C'est compliqué. Et ici, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un accès là-bas? Non. Hein. On peut. En vrai, on peut fermer ici. Hein. Je sais pas pourquoi je le garde. Comme ça, on ferme vraiment ici tout ça en fait. Hein. Hop, le chemin. Voilà. On va peut-être mettre une priorité aussi ici, hein, je pense. Il n'y a pas tout qui vient avec. Ça serait bien que ce soit fait. Maintenant, voilà, aujourd'hui, ça ne sera pas. Mais au moins, voilà, à la place de mettre de la TNT ici. Ça, c'est terminé. On a survécu, les amis. Alors, voyons voir un petit peu par rapport à tout ça. À l'eau qui arrive. Hein. Vraiment tout doucement. Dépêche-toi un petit peu là. Hein. On voit que ça a bien descendu ici aussi. Hein. C'est pratiquement fini là. Le ramassage. Voilà, ils viennent commencer à placer le bois. Donc c'est vrai que j'ai demandé voilà, une petite priorité ici aussi. Pourquoi est-ce qu'on était en dessous du niveau? Donc il n'y a pas d'eau. Et ça va profiter en fait à mettre tout simplement plus vite
le bois. On va réouvrir ici. Voilà, et je vois un petit peu où il travaille. Où tu habites? J'habite dans l'ancien quartier, hein, forcément. Enfin, l'ancien. Un quartier vieux, hein, loin. Ils sont en train de tout faire. Et ça avait survécu, ça tourne sol. Bizarre. Content. On va laisser la première saison se faire pour le temps que ça repousse. Voilà. Ça revient par rapport à l'eau. Je dois de nouveau se remplir. J'espère qu'on aura le temps de tout faire ici. Il va déjà 20h30. Ils vont être concentrés à faire ici. Hein. Ils sont en full concentration ici. Hey, hello Ying, comment tu vas Ying? Comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir. Bah écoute, ça va par le dentiste, là, ouais, qui m'a un peu torturé, on va dire. Aussi, voilà, comme je crois que tu sais pas encore, mais je me suis inscrit en salle de sport. Donc ouais, j'ai pas mal de courbatures, ouais. J'ai été hier, j'ai bien perdu en termes de calories, normalement. J'y retourne demain, mais à 8h du matin. Donc ouais, hier je suis rentré, c'était minuit, j'étais après le live, donc ouais. Ouais. On va essayer de se calmer un petit peu en termes de sport demain, en tout cas pour la partie du haut, mais après ouais. Ah, l'eau, en tout cas l'eau est bien forte, c'est bien. On va laisser un petit peu se remplir pour le moment. Voilà, ça pompe ici. On va pouvoir peut-être refermer un petit peu par ici. Et tu joues à quoi en ce moment, Ying? Dépêche-toi à se remplir tout ça. Ici, ça va être bien. On va bien fermer ici toute cette zone. On va vraiment être top. On va vraiment libérer beaucoup d'espace. Phasmo et GTA. Phasmophobia? Genre Phasmophobia? Ah ouais? Attends. Tu joues à Phasmophobia. Je sais pas que tu l'as depuis combien de temps. On a jamais joué ensemble à Phasmo. Mais ça se dépêche ici aussi. Ah, tu l'as acheté depuis avant hier. Et ça va, t'aimes bien? Ça fait longtemps que j'ai plus joué en fait. Et jouer tout seul, je jouerai pas. Je l'ai. Ah, d'accord. Et ça va, t'aimes bien? Après, jouer tout seul, c'est pas la même chose, hein, je pense. Hein. Une fois qu'ici, on fait la production, première production, on va couper là-bas. Hein. Ici, on est en train de perdre beaucoup d'eau, là. Et puis, toutes les pompes ne pompent pas que ce pas non plus. C'est le problème. Et tu joues tout seul, du coup Tu veux un jeu, on pourrait voir, hein. On monte à des sauvegardes, ouais. Voilà. Alors, yes. Ouais, faudrait voir, mais je te dis, voilà, je suis un vrai, voilà, hein, si imagine. On est à deux et tu me laisses tout seul dans une pièce, j'aurai les mains entre mes jambes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu clames, si tu meurs et qu'il faut récupérer tes affaires ou quoi, ça va être dur, toi. J'ai un peu celui qui suit, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est mais je l'ai, hein, il est le jeu, ouais, il est bien, quoi. Mais un peu une petite lopette là-dessus. Hein. Oh mince, ouais, ça avance ici, c'est bien. Dépêche-toi là. C'est bien beau quand c'est bien vert, mais il faut vraiment que je ferme ici. Hein. Les champs ici.
Vraiment que je les ai pas détruits. Hein. Hop. Pareil, hein. On gagne vraiment toute cette partie d'eau en fait. Hein. C'est vraiment top. Ça, hein. Et ça remplit voilà, plus rapidement aussi nos bacs. Même si ça prend pas encore. Hein. J'ai peut-être mis un peu trop haut directement. Ok, voilà. Voilà, voilà ça déborde. Impeccable. On va laisser comme ça. Maintenant, voilà, il va falloir avoir au moins encore 3 jours. Ça aurait été bien. Avant le. On va dire 2 jours. 2 jours pour dire. Ah merde, la caméra m'a pris en compte. J'ai mis ma main. C'est ça? Ouais. 2 jours pour moi remplir nos bacs. Et t'as déjà fait toutes les maps, Ying? Je crois qu'ils ont rajouté quelques nouvelles maps, hein, mais je sais plus lesquelles. Jouer beaucoup aux premières maps, non. Jouer beaucoup aux premières maps, qui est bon, l'école un peu moins, mais les maisons à un étage, 2 étages. L'école, ouais, il faut être à plusieurs hein, pour l'école. Puis il y a eu le... Ça, c'était déjà l'année passée que j'ai joué. La dernière fois, c'était l'année passée, en fait. Attends, l'autre map, c'était le camp... Comment on appelait ça? Le camping. Voilà. Et puis, il y avait aussi la prison, aussi, qui était assez dure. On en a un bon... une bonne eau, là, qui vient. Tu joues que tout seul, là, en ce moment? Voilà, j'aimerais bien vraiment tout faire péter, là. Hein. Les trucs-là, etc. Pour moi, c'est pas possible. Est-ce qu'ils avancent ici? Oui, ils avancent ici. J'aurais aimé qu'ils fassent aussi le chemin ici. Hein. On va vraiment tout essayer de... Essayer vraiment de tout déplacer. Hein. Alors ici, alors en termes d'engrenage, voilà, on en a 32. En termes de manque d'ouvriers, il en manque 31. Ouais. Ici, mais si, ils peuvent le construire, tiens, ils sont en train de le construire. Mais on manque de matériaux. Impeccable. Allez. Voilà. Donc voilà, à partir de ce niveau-ci où il y a ma flèche, on peut dire que voilà, si après il y a l'annonce. C'est pas si grave. Normalement, on aura le temps de peut-être remplir tout, mais c'est pas ce qui est le mieux. Hein. Parce que voilà, il faudrait remplir ce bac ici. Une fois qu'il est rempli, ben, on peut se dire, bah, là, on va tout faire péter, ouvrir ici, etc. Ça peut être top, quoi, mais les zones de pompage, voilà, on est en train de remonter un petit peu en eau. Bon, voilà, prochain chat dans 3 jours. Et on est pas le top, hein. On aurait dû être ici au milieu. Voilà, on a déjà les premières pompes qui sont déjà sous l'eau, c'est bien. Est-ce qu'ici c'est bon? Non, c'est pas encore. Hein. C'est pas encore. Pouh. Alors, combien de temps ici? 55%, ouais, c'est tellement long. On a 120 patates. Hein. Donc, vous voyez hein, pourquoi j'ai fait ça ici. Ici, ils sont à 90% de maturation. Donc... Et c'est vraiment compliqué. Hein. Le manque d'eau qu'on peut avoir et en termes de forte sécheresse fait que voilà, tout ça a fané. Et on peut perdre la partie. Hein. Après, déjà, si on arrive à fermer toute cette zone ici, de 1, sauf que... En vrai, pour le moment, comme ici, on a une descente, hein, comme je vais vous montrer. Voilà, ici. Hein, donc, si ici, on perd l'eau... Ici, bah, il y a toujours de l'eau, mais là-bas, il n'y aura pas, quoi. Maintenant, je peux faire autre chose, c'est que je peux mettre de la TNT. Quel travail, j'ai vraiment... C'est une map, hein, vraiment, où il y a toujours des trucs à faire, hein, mais bah, après, il faut du temps, quoi. Il faut vraiment de temps, quoi. On va laisser ici l'escalier, ici, et on va peut-être descendre par ici pour mettre la TNT après, quoi. Voir un petit peu où on en est ici.
Encore 2,2 jours. Ouais. Après, il faudrait que tu me dises quoi, Ying, par rapport à tes horaires. Hein. Voilà. Même si pour le moment, voilà, je m'arrête absolument vers 20h30. D'ailleurs, bientôt que je m'arrête. 21h max. Vraiment très très max. Bah, par rapport à ce que tu veux jouer, hein, exemple, si tu veux jouer Phasmo un jour ou à Raft ou à l'autre jeu là, c'est une je sais plus quoi. Voilà. Ouais, mais je vais d'abord essayer de voir pour cette map si hein, maintenant voilà, si tu veux faire un truc cette semaine, donc ici cette semaine, demain je suis en live aussi, mais je serai en live un peu comme aujourd'hui en termes d'heures normalement. Le vendredi, normalement, je ne serai pas en live. Le samedi, non plus, normalement, mais ça a confirmé demain. Et normalement, dimanche, je serai en live, voilà. Comme ça, tu vois un petit peu. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut absolument que je me concentre sur cette map-ci. Avant qu'il y ait le patch hein, qui soit la mise à jour. Et là, je ne pourrai plus vraiment y jouer. C'est ça que j'essaie de carburer sur cette map. 1,6 jours, c'est bien. Normalement, on aura assez de temps, je pense, pour tout remplir. Et on peut voir que, voilà, on a gagné toute cette partie d'eau. Vraiment, avec la hauteur ici, hein, c'est vraiment top. Ici, ça va sécher aussi. Hein. Mais ouais, je sais pas. Parce que j'étais en train de, pour expliquer un petit peu aux personnes, c'est que dimanche, j'étais en train de faire, on va dire, de la cuisine. Hein, je vais pas voilà, dire de trop. Et j'ai commencé... Et j'ai commencé à faire... Bah, je peux vous le montrer peut-être, hein, vite fait. Attendez. Comment je peux faire pour vous le montrer? Ah, je fais pas. Je ne peux pas vous le montrer, non. C'est en fin de live. À faire de la cuisine, et en fait, bah, j'ai eu un problème de batterie. Sauvegarde ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Oh là là! Qu'est-ce qui se passe, les amis? Je crois qu'on a bugzouzé là, non? Ou c'est le... Je sais pas ce qui s'est passé là. On a bugzouzé, je pense. Le jeu a freezé et ça a freezé de tout le truc. Quoi. C'est... Pourtant, je vois pas de coupure ni rien nulle part. Bon. Après, voilà, on pousse le jeu à fond. Hein. Et je disais... première fois que ça arrive d'ailleurs. Et je disais que bah, j'ai eu un problème de batterie. Du coup, je vais devoir faire une vidéo en deux fois en fait. Parce qu'il y avait la... tout ce qui était cuisson, que ça a été fait. Et puis, il y avait la préparation. Il faudra que je la fasse du coup là dans 15 jours. Parce que j'ai besoin de madame là-dessus. On parlera du temps pour faire tout ça. Et là, je pourrais faire la suite quoi. Donc, ça sera sur la chaîne ici. Hein, voilà, sur la chaîne Projet Départ. Voilà, il y a la cuisine, il y a d'autres trucs. Hein, et il y a d'autres vidéos qui sont déjà en cours aussi. De pourquoi aussi je ne suis pas toujours là non plus. Hein, j'ai fait plein de trucs à côté. C'est pas évident de tout assembler. Hein. En un seul endroit, on va dire. On est en dessous de 100 patates. Hein. On a 80 quelque chose patates crues. Hein. Ce qui est problématique. Hein. Il en manque toujours d'ouvriers. Donc. On va devoir laisser comme ça pour le moment. C'est vrai que pour l'eau, j'ai pas pensé à ça. Mais pour l'eau, on peut péter ici. Hein. J'ai vu que t'avais un message. Wouhou! Ici aussi. Ici, ils ont accès. Hein. Ils ont accès apparemment. Vas-y, je te laisse malheur que je vais aller de dos. En tout cas, bonne nuitée, Ying. Et je lagzouze. Je sais pas si... Ah ouais, je lag, je sais pas si vous m'avez entendu, j'ai lagzouzé encore, je sais pas, c'est le jeu je crois, hein, c'est le jeu. Bon dodo Ying, merci pour ton lurk, je te dis bah, peut-être à demain du coup. Merci, à demain, bah, impeccable. Bah, moi j'irai dormir bien plus tard. hop, hop, voilà, on va continuer à mettre ici la TNT. Et on va mettre en pause parce que j'ai pas envie de déborder sur l'eau. On déborde pas encore, hein, il reste encore 2 jours.
On déborde ici, hein, mais... On est vraiment dans la limite, en fait. Hein, donc, bon, on va laisser comme ça. Comme ça, on est vraiment dans la limite, limite, limite. Et on va fermer. Hein. Ah bah voilà, on l'a pas encore. Et on va sur du 29 jours. Mais c'est bizarre quand même que... Oh, ça va s'arrêter là? Bon là c'est pas si grave, on a parti de bois. Ici ça va s'arrêter, non? Ça s'arrête, regardez. Hop. Voilà. Mais c'est bizarre quand même que ça lag zouzé en fait. Hein, et ça a vraiment bugué tout le truc. Bizarre. Après ouais, c'est vrai que... Je pense que c'est le jeu en fait qui est hyper mal optimisé, donc... Je sais pas si je vais pouvoir vraiment pousser le jeu au maximum que je voudrais faire. C'est pas un problème du PC, c'est le problème du PC, hein, enfin du jeu, pardon. Bon, on va commencer à fermer ici. Bon, ils sont en train de récolter. Hein. On va les laisser récolter tout ça. Parce que là, il faut absolument bah, prendre le maximum d'eau possible. Hein. En plus, là, ils peuvent pas. Et voilà, on est vraiment sur, sur eau. On va laisser au maximum. On va retenir un maximum aussi. Je vais essayer, voilà. Dans 5 ou 10 minutes, en maximum, on va s'arrêter là. En attendant, ils sont occupés à faire ici un... Hein, je leur ai demandé. Ça sera du coup pour demain. Regardez. Regardez le nombre de bâtiments manquants. Hop. Parce qu'ici, ça va. Vous voyez? Voilà. Il y en a un chômeur. Tous les pompiers sont fonctionnels. Ce qui est forcément pas assez du tout, hein. C'est loin d'être assez. Il y a juste à le conduire, mais ils le font pas. Ils sont, on va dire, vraiment concentrés ici à faire ça. Après, c'est pas le plus grave, mais bon, les patates, ça récolte. Voilà, ça récolte. Voilà, là, ils vont pouvoir replanter tout ça aussi. J'aurais voulu voilà, qu'ils soient concentrés plus sur la récolte, mais bon. On a perdu un peu d'eau. Et pas non plus de trop, ça va. Mais ouais, nourriture stable ou pas. Ça peut être un bon titre, ça, nourriture stable ou pas. Ils sont vraiment concentrés ici et pour le moment voilà, ils récoltent pas. Hein. Vraiment mettre voilà, cela pour la récolte. Ou alors. Attendez. Je vais faire dans l'inverse. Alors, au moins comme ça, ils vont toujours s'occuper, s'il y a un des problèmes autres, à ne pas attendre, hein, et à récolter les autres choses. Alors, pour la patate, voilà, on remonte, c'est bien, on a 400. Maintenant, voilà, ils récoltent ici aussi. Hein. Après, je fermerai les fermes ici. Voilà, après, voilà, je les fais travailler vraiment beaucoup. Et c'est vraiment bizarre ce qui s'est passé là, que ça fait bugger le... Tout le PC en fait. Ma souris elle bouge, mais c'est tout. C'est vraiment bizarre. Très bizarre en fait. Mais on va juste faire péter ça pour voir. On va par en dessous, par là ils auront accès maintenant. On va un petit test.
Et ça se passe quoi, je sais pas. Je sais pas pourquoi, ici on peut le faire péter aussi, voilà. Il y a un peu plus de TNT, voilà, on fait des petits tests. Et c'est le jeu hein, qui bug zouz. Ici on doit laisser. Hein. Voilà, et même comme ça on manque 5 ouvriers. Hein. Peut-être là une autre priorité ici, peut-être un peu plus forte ici. Attendez, d'abord faire de l'autre côté. On va faire par ici. Voilà. Comme ça, ils vont vraiment faire les maisons parce que voilà, après, je m'arrêterai là. Je m'arrêterai là. Et j'ai même pas fait de pause. Hein. On va attendre que voilà, tout ça se fasse. C'est assez urgent aussi. Hein. Là, on monte bien. Là, on monte bien. Après, c'est l'eau qui a du mal à plus à monter. On monte bien en nourriture. Et après, voilà, ils sont en train de récolter aussi, donc c'est bien. Et donc, je pense que ça pouvait être une idée, en fait, hein, de mettre cela en tant que récolteur. Ça peut être vraiment une idée. Ils sont en train de faire les maisons. Et là-bas, comment ça se passe? Là-bas, toujours pas. Hein. Ah, si ça commence. Il faut que ça se dépêche, là. Hein. Et dépêchez-vous là. Ah, attendez, il n'y a plus de son, c'est normal. Voilà. Putain, je suis en train de faire un truc là et... Comme ça. Je suis en train de faire plusieurs trucs. Impeccable. Alors ici, ben, ça avance. Ici, on peut aussi faire péter ici. Hein. Voilà. Pas encore fait là-bas, je crois qu'il y en avait déjà une qui était déjà faite. Voilà, ici ça a presque terminé. Hein. On va se faire aussi. Allez, on continue là aussi. Il faut absolument plus de bébés. Hein. Donc là, on va peut-être réduire un petit peu le temps. Voilà, le temps de travail. Hein. Puis ça va être bientôt la nuit, donc ils vont pouvoir aller se reposer comme ça. Voilà, on est au-dessus des 500 patates, mais voilà, ça va vite redescendre. Hein. Après, à voir hein, si la technique ici fonctionne. Ah, ça se garde. On va voir un petit peu où ils travaillent. Buffonnage. Ouais, t'as travaillé loin, hein. Le moulin. Oh là là. Il travaille ici, non. Toi, tu travailles où, toi? Il travaille là. Il est là, le problème. Hein. Vous voyez un petit peu... ils pouvaient changer leur place, hein. Mais bon. Voilà, ça c'est fait. Allez, il reste 24,8 jours. C'est fait aussi. Ils vont copuler, hein, forcément.
Allez. Et le blé hein, qui descend à une vitesse folle en fait. Hein. Le blé frais. Et ici, oui, ils n'ont plus le blé non plus. Hein. N'hésitez pas dans les amis Instant Gaming. Hein. N'hésitez pas. Le lien vient de popper sur le chat. Hein. Ou en description pour ceux qui regardent la rediff sur YouTube. Je se trouve ici. Voilà. Ah, je l'ai popé deux fois. Bon, c'est pas grave. Ça commence à prendre le blé. C'est bien. Ils prennent le blé. Et je pense que la technique que là pourrait peut-être mieux fonctionner en fait hein, de ce que j'ai fait. Maintenant, voilà, il faut qu'ils viennent les ramasser. Et ça a l'air d'être le cas. Hein. Bon, ici 49 sur 50, bon, on va commencer à bugger. Ah, ils ont retiré une patate seulement. 48 sur 50. Ah, 28 sur 50. Je pense que là, voilà, on a résolu un petit peu un des problèmes. L'eau remonte tout doucement. Mais c'est pas encore ça. Hein. Ça. On va mettre ça aussi en pause hein, pour donner un peu plus de travail à d'autres. Peut-être aussi de fermer ici. On est juste rouvrir pour voir. C'est un peu de patate, hein, c'est pas grand chose. Donc là, de nouveau, ils vont s'occuper de faire ici la digue. Ouais. Et l'eau, hein. Bon, on a quand même 72, hein, bébé. On va voir si ça va suffire. En tout cas, ça fait plaisir. Regardez, ils arrivent plus ou moins à tout récolter. Donc, est-ce qu'on a trouvé un petit peu la solution à tout ça? Donc, ça va falloir faire tout péter. Et puis, voilà, ça pourrait être bon. Ça pourrait être bon. Et c'est vrai qu'on aurait peut-être dû faire péter ici encore un étage. Pour voir, plus on est plus profond, plus on est profond, on va dire, plus l'eau va plus loin. Bon, ici c'est pas fait non plus. Mais c'était demandé. Pourrait peut-être voir. Mais ouais, mais ce serait ici. Hein. Ce serait peut-être ici de voir. Hein. Science. Raffinerie a converti la nourriture et de l'eau en combustible. Usine a. Ouais, mais il faut de l'énergie pour ça. Ici, non, attends. Quoi ? Pas ce qu'il faut, mais... Ici, le relier, en fait. Usine à composants et puis assembleur de bottes, quoi. Ça me casse les... Là, hein. Pourquoi ? Pour faire après l'usine... c'est où ? Ça doit être... Ça doit être ici. Tracteur de terre, un appareil de forçage... De forage. Ils sont utilisés pour récolter de la terre. Seules les bottes sont utilisées à travailler. Voilà, c'est ça. C'est ça, station de terraformation. Emploi des bottes qui placent les blocs de terre. Voilà, réservé. Hein. Seules les bottes sont autorisées à travailler ici. Hein. Bloc de terre, bloc artificiel construit pour les ouvrir. Ouais. Ce serait bien. Est-ce que je... ouais, pour remplir ici, quoi, mais bon. Ou alors, je creuse complètement une ligne, hein, en fait, hein, complètement. Hein. Et pas besoin de cette merde. Hein. Comme ça, on sera, comme je disais, bien plus loin en termes de terre. Ah, regardez, ils ont bien déjà terminé ici toute une ligne. Mais ils sont bons, là, ils sont bons. Hein, ils sont à fond. On manque ouais, 31. Voilà. On vient de libérer ici une zone, donc on va me remettre de l'eau ici. Oui, il manque. Hein. Alors, on va remplir ici aussi hein, tout ça de maisons.
d'habitation. Attendez, est-ce qu'on... Bon, on va le faire. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Puis je m'arrêterai là. Non, j'ai risqué de me mettre en retard et je suis déjà pas très à l'avance non plus. Je viens m'arrêter et je suis encore là. Voilà, on va faire vite fait et échafaudage. Et pas de forme plutôt. Hop. Donc ça normalement c'est pour le prochain en fait. Hein. On peut faire ça, c'est bien. C'est un petit gain de temps. Escalier. Ici on peut pas faire les deux mais. Voilà. Alors ici, hein, comment on peut faire pour pouvoir avoir accès. On a la place hein, pour les faire monter. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Parce que ça va être là-dessus. Comme ça, on pourra avoir un autre étage par au-dessus. Hein, voilà. Et puis pour le reste, hein, on est très très bien. Il manque combien de travailleurs? Il en manque pas apparemment. Hein. Mais ça va arriver. Voilà. Il y a deux qui travaillent pas. Ça va bientôt arriver. On a 91, 90, 99, 88 bébés. Voilà, les autres qui grandissent, c'est bien. Voilà, ça va pas suffire hein, pour le moment. La nourriture, bah, c'est stable. Pas vraiment très stable, mais voilà. Donc, va-t-on survivre à la nourriture ou pas? Attends, est-ce que la nourriture est stable ou pas? Voilà, ce sera peut-être le titre de la vidéo. Live, voilà. Bon, on va s'arrêter là, les amis. Donc, il reste encore 21,4 jours de sécheresse. On est sur des longues sécheresses, hein, deux fois de suite. Et ce qui voilà, qui n'est pas plaisant. Et le blé qui continue à descendre. Bon, après, voilà, il n'est pas récolté ici non plus. On voit qu'il récolte les patates, c'est top. Donc, je pense qu'on a peut-être trouvé ici vraiment une stabilité, peut-être bonne. À voir si je ne mettrai pas aussi cela. Hein. Voilà. Comme ça. Et eux, hein. Ils sont dans tout ce qui est plantation complète. Donc ça peut être suffisant, je pense. A voir pour la prochaine fois. Donc l'eau remonte hein, tout doucement. On est à 18 000 d'eau. Ce n'est pas le top non plus. Après, voilà, on a réouvert des zones ici. Deux. Après, voilà, on a refermé des choses. Hein, trois tours d'irrigation. Ce qui peut vraiment nous aider à bien remonter tout ça. Voilà, les amis. Bon, on va sauvegarder. Attendez, je regarde vite fait un petit truc, vite fait. On a regagné un petit peu en effet. Ouais, non, on repère. Voilà. Et on fait une sauvegarde. Sauvegarder. Hop. Voilà. En tout cas, pour YouTube, je vous dis à la prochaine YouTube. N'hésitez pas hein, à vous à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner sur YouTube, à suivre les réseaux sociaux et à suivre Twitch aussi. Hein, voilà. Et je vous dis à la prochaine, amis. N'hésitez pas à follow, comme je viens de dire aussi. Voilà. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.